Bonjour tout le monde, bienvenue dans Éclair en cuisine. La semaine dernière, je vous ai réalisé des petits cocktails maison. Alors aujourd'hui, pour les accompagner, on va vous faire des petits biscuits apéro. Tuc-tuc. C'est parti. Pour réaliser vos tucs, il vous faudra de la farine, de la levure chimique, un œuf et demi et de l'huile de tournesol. Et ensuite, à vous de donner des bras. Donc voilà, notre pâte est terminée, donc ça doit ressembler à ça. Une pâte bien homogène et on va la filmer et au frigo pendant une heure. Alors après une heure au frigo, Enzo va nous l'étaler, comme ça on pourra détailler comme on veut nos petits tucs. Pendant qu'Enzo est en train de préparer la pâte, nous on fait préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Une fois la pâte aplatie, détaillez vos tucs à l'aide d'un couteau dentelé ou à l'aide d'un couteau simple. Percez vos tucs à l'aide d'un cure-dent ou d'une fourchette. Donc une fois que nos petits sablés sont faits, on va rajouter du sable dessus. Voilà, en cuisson pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà, on a réalisé des tucs maison, des petits biscuits apéro sympathiques. J'espère que la recette vous a plu. Comme vous avez pu voir, c'est assez simple à faire. Donc allez, à la prochaine. Salut gourmands.